Bonjour à tous, je suis en train de nettoyer la boîte de, est-ce qu'on la voit à l'écran, elle est là, voilà, de l'écran Dell. Alors, nouveau, toujours pareil, on est dans ce même format de vidéo, l'avis de Jal sur, et aujourd'hui c'est l'avis de Jal sur un écran Dell. Dans cette rubrique, comme la fois dernière, je vais vous donner mon avis sur aujourd'hui l'écran Dell, pourquoi je l'ai acheté, pourquoi j'ai choisi ce modèle. La référence est le U2419H. Il existe une version U2419HC et en fait, ils ont une petite prise USB-C en dessus en plus. Le moniteur est plus cher. Je vous montre la fiche technique ici quelque part sur l'écran, pour que vous puissiez voir le prix. Alors moi, quand j'ai acheté un écran, je suis sur un MacBook Pro de mi-2014. Alors j'ai voulu acheter un écran externe, j'en avais déjà essayé plusieurs, j'avais un ancien de Ziyama qui était assez performant mais vraiment vieillissant, et puis c'était encore du DVI, donc la prise a lâché, enfin je vous passe les petits détails. Bref, j'ai dû acheter un nouvel appareil. Donc, j'ai regardé chez Apple. Chez Apple, ils faisaient un super LG, mais à 1 500 €. Donc là, j'ai failli m'étrangler. Donc, moi, mon budget, c'était plutôt dans les 250 €. Donc, vous voyez que ce n'était pas 250-300 €. Et c'est vrai que j'étais un petit peu perdu dans le monde des moniteurs, parce qu'entre les moniteurs gaming, les moniteurs, enfin, il y a 50 000 moniteurs sur le marché. Et moi, sincèrement, le but, c'était pas de commencer à me casser la tête, à avoir une grosse différence d'image entre mon écran Mac et mon écran externe. Donc, très, très vite, je me suis orienté chez la marque Dell, parce que j'avais vu qu'ils faisaient des produits vraiment rapport qualité-prix pas mal et très qualitatifs en termes de finition. Donc, qu'en est-il? Eh bien, c'est pas mal. C'est même très bien, rapport qualité-prix. Je vous ai filmé quelques images. Donc là, vous voyez à l'écran au niveau finition. Je vous montre d'abord la cosmétique là à l'écran. Moi, je les trouve très, très jolies. Alors, volontairement, j'ai pris la taille 24 pouces parce que je n'avais pas trop de place sur le bureau qui est derrière moi. Ils existent en taille plus grande. Et j'avais certains critères qui étaient importants pour moi. Le premier, c'était que je voulais que l'écran ait des prises USB alimentées pour pouvoir mettre des disques durs, de manière à ce que quand je branche un seul, je ne sais pas si on le voit bien à l'écran, mais je le montrerai à la caméra avec la petite vidéo, quand je branche une seule prise USB, et forcément, tout est alimenté sur les disques durs qui sont branchés derrière l'écran. Utiliser les ports, les petits ports Thunderbolt de la enfin je sais plus si ça s'appelle encore Thunderbolt, mais pareil, je vous les montre à la caméra, c'est ces petites fiches là, de manière à ne pas utiliser mon port HDMI de l'autre côté. C'était plus pratique de le brancher, hop, mon écran se partage automatiquement. Je choisis, là je vous le montre à l'écran aussi, dans les paramètres du Mac, je choisis quel moniteur je veux qu'il soit en moniteur principal. Donc, grosso modo, c'est les icônes que vous avez vont se déplacer ou pas sur sur cet écran. Et je vous montre là un petit peu les différents paramètres. Donc là, on est bien dans les réglages moniteur, on voit bien apparaître l'écran Dell. Et ici, dans disposition, on voit bien les deux écrans. Ici, des rectangles bleus. Et en fait, quand je joue sur l'emplacement, je choisis la disposition d'écran. Ça va jouer notamment sur la souris, si je la bouge de droite à gauche.
Et là, vous voyez que je viens de bouger le petit rectangle, la toute petite barre blanche, juste en haut. Voilà, juste ici en haut. Et ça nomme la fenêtre principale. Ça veut dire que si jamais vous avez vos icônes qui sont sur l'écran portable et que l'écran secondaire d'elle est à côté, l'écran sera vide. Tous les icônes, quand je vais brancher mon écran externe, tous les icônes qui se trouvent sur l'écran de mon portable vont basculer sur l'écran d'elle. Ce sera l'écran principal et l'écran du portable deviendra alors l'écran secondaire. La dalle est mate, je la trouve de très très bonne qualité. Je trouve que la taille d'écran, bon, moi me va, mais ça c'est tout à chacun. Pas mal de branchements sur le côté, pas mal de branchements en dessous, ça je vous les montre en détail aussi. Et rapport qualité-prix, vraiment, j'ai trouvé ça super. Alors, à un moment donné, j'ai eu peur parce que forcément, comme j'ai l'iPhone avec les nouvelles prises de recharge USB-C, je me suis dit, mince, est-ce que j'aurais peut-être dû prendre le moniteur au-dessus, enfin au-dessus, donc avec cette fameuse finition. Et puis en fin de compte, je me rends compte que ça m'handicape pas trop. J'avais encore d'anciens cordons, c'était essentiellement pour les iPhones. Et en fait, ça ne me dérange pas. Donc, si je l'avais pris, c'était bien. Je ne l'ai pas pris, ce n'est pas catastrophique. Détail important, moi, j'ai acheté via Amazon et il me manquait dedans un cordon, le cordon HDMI. Enfin, le cordon HDMI. Le cordon, justement, Thunderbolt HDMI. Alors, je n'ai toujours pas bien saisi s'il devait être dans la boîte ou pas. Toujours est-il qu'Amazon ont été super clean. Je les ai appelés, je lui ai dit qu'il manquait dans le carton et ils m'ont envoyé un cordon. Donc merci Amazon. J'ai vu chez d'autres personnes d'autres écrans qui sont aussi super bien mais souvent beaucoup plus chers. L'avis de Jal sur ce moniteur, c'est acheter les yeux fermés. C'est vraiment un super moniteur. Je vais certainement en acheter un deuxième pour en mettre deux, mais pour ça, j'attends d'acheter certainement le Mac M1 pour qu'il soit un petit peu plus puissant pour gérer les deux écrans, voire les trois écrans quand l'écran du Mac est ouvert. Donc, achat sans hésiter, super produit. Je vous remontre encore quelques images pour que vous puissiez profiter de près et de voir un petit peu comment est le produit en détail. Et je vous dis à bientôt pour un prochain l'avis de Jal sur, et ce sera, je pense, sur les AirPods ou sur une montre connectée. Je vous dis à très bientôt. Comme d'habitude, si nous sommes le matin, je vous souhaite une excellente journée. Si nous sommes le soir, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à bientôt. Thank you.